3 mois déjà que la Côte d'Ivoire fait face à la pandémie du coronavirus. Cette crise sanitaire a suscité un élan de solidarité envers les populations vulnérables. C'est le sens de la tournée effectuée le 7 mai 2020 des centres de santé urbains et communautaires des sous-quartiers d'Ivo, Aklomiambla, Grand Campement, Pangolin et Zoé Bruno dans la commune de Kumasi par l'honorable Emolo Claude, député de la dite circonscription. À chaque centre de santé visité, il a remis des produits désinfectants, des sanitaires et des lots de cache-nez. Le corps médical à la réception des dons a traduit ses remerciements aux députés de Kumasi et promis en faire un bon usage au bénéfice de la communauté. Nous sommes très honorés de recevoir ces dons, surtout en cette période de crise où nous avons vraiment besoin de cache-nez, de tout ce matériel-là. Nous voulons dire merci à M. l'honorable et à toute son équipe d'avoir pensé à notre centre pour ce don. Donc ce matin, nous venons de recevoir des kits de désinfection par rapport à la pandémie Covid, de la part d'un de nos députés, l'honorable Emolo Claude, à qui nous lui disons grand merci. Au nom de tout le personnel, il faut lui dire que nous en sommes très heureux, parce que cette période-là, je pense que ça devient un peu plus la routine. On a plus besoin de ça que des sacs de riz, parce que si tu es malade, tu ne pourras pas manger. Donc nous sommes très heureux de recevoir ces dons et nous en sommes très reconnaissants, nous disons grand merci. L'honorable Emolo Claude s'est ensuite rendu à l'église Medel La Restauration pour remettre des dons en vivres au collectif de l'Union des pasteurs de Kumasi. Ces derniers, au nom de leur président, le révérend Poda, ont salué cette action de solidarité et ont prié pour la fin de l'épidémie due au Covid-19. Nous sommes vraiment dans la joie de recevoir l'honorable pour ce don, parce que, comme tout à l'heure, nos collaborateurs disaient, depuis que cette maladie frappe notre nation, c'est la première autorité qui a pensé à nous et qui nous envoie ce don. Et nous sommes vraiment touchés pour ce geste et nous bénissons vraiment Dieu pour sa vie. En retour, le député de Kumasi a donné le sens de ses actions en faveur des populations de Kumasi. Toute l'actualité est absorbée par le Covid-19 qui sévit malheureusement sur toute l'étendue de la planète. Alors nous ne pouvions pas ne pas nous associer à l'effort du gouvernement en apportant en tant qu'élu notre modeste contribution pour la lutte contre cette pandémie qui fait tant de ravages. Les centres communautaires de santé sont des centres, comme son nom l'indique, de proximité. Ces centres sont pour la plupart au sein des quartiers précaires. Et vu la modicité des moyens des habitants de ces quartiers-là, ces centres ont vraiment besoin du soutien des autorités que nous sommes. Le Covid-19, le coronavirus est une réalité. Et les populations doivent se conformer strictement aux mesures indiquées afin de ne pas être contaminées par le virus du Covid-19. L'honorable Emolo Claude entend poursuivre ses actions de solidarité en faveur des populations de Kumasi.